decision, Gareth. Bonjour à tous, de Prestaxis. Et comme vous pouvez le constater, une tempête de sable vient juste de terminer. Enfin, constater ou pas, je sais pas. Et donc, nous allons faire un nouveau tombeau. Donc, celui-là. Par contre, je sais plus son nom. Oui, le tombeau des nomades. Le tombeau des nomades. Et c'est parti, hein. Il n'y a pas l'air très isolé, c'est le plus joyeux pour l'instant des entrées de tombeau en tout cas. C'est moi, il y a un autre bourdonnement à côté, mais il est où le bourdonnement à côté? Bon, on va le laisser jouer tranquille. Oh! Je dirais qu'il est mort éviscéré. Allez, c'est parti. Le tombeau des nomades. Qu'est-ce que ça donne? Des tissus. Ah, il est joyeux, hein, comme tombeau. Ah, on dirait des catacombes. Enfin, vite fait, mais... C'est moi où on voit ses orteils. Les tissus, toujours des tissus, des vendeurs de tissus. C'est des nomades, hein. Toile d'araignée. Ouais, je pensais qu'il y avait un passage là. Bah non. Bien entretenu, hein, le tombeau des nomades. Les fleurs, elles sont pas fanées. Les bougies sont allumées. Ah, ça par contre. J'ai l'impression que c'est le début de l'endroit un peu plus glauque. Déjà qu'ici il n'y a plus personne. Comme s'ils avaient peur parce que ça avait été cassé. Ah, là c'est moins bien entretenu d'un coup. Entendez ce que de marcher ou... Bon. C'est parti, hein. On va d'abord faire un petit tour. Bon, allez, go. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Bah alors, ça dirait de t'activer là? D'accord. Ah bah il est là le tombeau.
Si dit, je vois. De l'ancien royaume. Putain, il parle bien, Solo. C'est un The Bonhomme. Tac, ça, on récupère. Ça, on récupère. Tiens, ça, c'est un autre passage. On va continuer à visiter, hein. On verra où ça va nous mener, hein. Oh, ça nous amène à la sortie. Oh, bah, il était rapide, hein, ce tombeau. Et bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à le repérer si vous ne le trouvez pas, qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.